que je parle. Ok, je reste en... Ok, nous sommes en train de tester le module d'acquisition. C'est cette carte que vous voyez là, ce petit module là, que nous avons connecté, tel que vous pouvez voir sur ce schéma, nous l'avons connecté et nous utilisons une tension de 3.28. En réalité, c'est 3.3 qui est recherché. Et lorsqu'on démarre donc, lorsqu'on essaye, voilà comment le signal se comporte. Voilà, c'est trop petit, il faut agrandir. C'est toujours allumé, c'est allumé. On voit le voyant lumineux qui montre que c'est activé. De regarder comment filtrer notre signal, puisque ce qui nous intéresse après, c'est de regarder les 5000 d'ondes. Donc de notre signal audio, qui vient de l'électroencéphalogramme. Donc on a cinq sortes d'ondes, delta, theta, alpha, bêta et gamma, qui sont chacune dans des bandes de fréquences spécifiques, et donc il faut qu'on filtre notre signal mesuré sur chacune de ces bandes de fréquences, et c'est ces cinq signaux-là qu'on va maintenant étudier par la suite via l'interface graphique. Donc je suis en train de voir comment le faire numériquement. Ok, et qu'est-ce qui est prévu pour le module de communication? Ah, pour le moment, je ne suis pas... On le refera une vidéo sur ça. Tu referas le montage. Parce que je n'ai pas travaillé dessus ce matin. Ok. C'est Abou Draman qui s'est mis dessus, je vais le faire ce week-end. Ok. Bonjour, moi c'est Ifrane Chéry, donc je fais partie du groupe Rouge. Donc, comme résumé d'abord, nous avons utilisé notre équipe en trois groupes, un groupe de communication, un groupe de capace, un groupe qui fait l'acquisition des données. Donc moi, je suis là pour faire le lien entre ces trois groupes et en plus pour concevoir le projet final. Avec ce qu'on a déjà fait, les 5 modules qu'on a déjà présentés, on va faire une sorte de condensé pour qu'on puisse avoir notre document final. Donc c'est ça, donc c'est un condensé de tout ça, et mettre les choses un après l'autre avec des explications détaillées pour qu'on puisse comprendre toutes les étapes du projet, du commencement à la fin. Voilà, ça en général, en gros, c'est ma tâche pour l'instant. Bienvenue au laboratoire RUCO et c'est l'équipe rouge qui vous invite pour que vous puissiez nous suivre dans la continuité du projet que nous sommes
en train de faire en ce moment. Il faut le rappeler, notre équipe a pour mission de réaliser un électroencéphalogramme sans fil. Nous avançons tant bien que mal et nous continuons notre bout de chemin. Et aujourd'hui, nous vous invitons à voir à quel niveau nous sommes rendus pour certains aspects de nos essais. Sous forme de joystick, vraiment c'est... Je voulais pouvoir expliquer, quand je le mets en avant, là, c'est comme si je coupais le signal, c'est ça. En fait, c'est pas que tu coupes le signal, c'est que tu... En fait, c'est... En fait, c'est un joystick, c'est juste là, 5 volts ici et le ground sur VR-Y. Et en fait, en fonction de comment tu bouges ton joystick, ça augmente ou baisse la résistance qui est liée sur VRX et VRY. Si tu augmentes la résistance, tu baisses le courant, mais tu augmentes la tension. Alors ça, j'ai peur de dire une bêtise dans l'explication, mais... Oui, c'est ça que je suis en train de vouloir. En fait, tu varies la tension juste par un pont de résistance. Oui, c'est ça justement, c'est pour ça que je dis, c'est comme, c'est juste un potentiomètre, c'est la tension qu'on varie. Donc, soit on baisse complètement la tension. Soit on l'augmente. Soit on l'augmente, voilà. Donc en fait, c'est la résistance que tu changes. Exactement, c'est ça. Oui. Parce que quand je le mets au minimum, c'est pour ça qu'on obtient 0. C'est pour ça que moi, je comprends. Bonjour Ilfran. Tu continues à travailler sur les rapports tels que c'est ce que je vois. Ok, c'est bien ça. Tous les membres de l'équipe, ils continuent à t'envoyer les éléments au fur et à mesure pour la compilation. Oui. Ok, c'est bon. Rida. Oui. Qu'est-ce que toi tu as fait aujourd'hui? Je vois que tu as mis les capteurs sur ta tête. Là. Oui, j'essaie de bouger. Là. Oui, je vois que quand tu bouges, le signal aussi bouge. Il bouge là. Donc on voit qu'il réagit. Lorsque tu es calme, le signal semble aussi se stabiliser. Je vais mettre debout maintenant. Et lorsque tu te mets debout, on voit le comportement aussi sur l'écran. Ouais. Ok. Là, on voit comment il se redresse et tout. Donc, finalement, comme on avait convenu la dernière fois... Je fais... Tu as enregistré les données, je pense. Tu les as sauvegardées dans la clé, de telle sorte qu'on puisse les extraire dans le fichier Excel. On va le faire. Okay. Ok. Donc, tu peux donc essayer de sauvegarder. Ok. Le sauvegarder, là. Ok, c'est bon. Essaye alors de sauvegarder. Oui, ça va. Mais il ne faut pas bouger. Là. Non, tu peux sauvegarder. Le truc n'est pas qu'on veut forcément une courbe uniforme. C'est juste qu'on veut être sûr que la courbe prend les données, quelles que soient les données que ça va prendre. Ok. Ok. Maintenant, on va prendre une photo là. Bon, 5. Maintenant, quand je bouge la tête, regarde comment il fait là. Ok, c'est bon. Et ça veut dire que on va enregistrer ici. Ok, on va tester debout ici. Donc, on voit que le montage réagit aussi bien sur toi que sur moi. Parce que la dernière fois, on a fait les essais sur moi, ça a marché. Oui. Et maintenant, c'est sur toi qu'on fait les essais. Mathieu, je suis à toi maintenant. Voilà, je prépare la présentation du rapport 6, qui est simplement le résultat de prototypage et de simulation du système en cours de route. Voilà, on est en train de montrer l'état d'avancement du système. Vous êtes allé. Et est-ce que tu peux me résumer ce que toi tu as fait dans ton pôle depuis, c'est-à-dire la rentrée de congédiement. Oui, depuis qu'on s'est lancé dans la phase de prototypage. Oui, de prototypage. Moi, j'étais dans l'équipe avec Aboudraman pour travailler sur la transmission de données. Oui. Donc j'ai testé et implémenté les
deux émetteurs récepteurs de NRF 24L01+, là, qui sont des émetteurs RF, en fait, tout simplement. Et voilà, on les a fait fonctionner, ils fonctionnent. Donc, et la dernière fois, je pense, tu travaillais sur le module pour récupérer, parce qu'on avait six signaux. Oui. Qui était divisé en deux. On a travaillé en gros sur comment filtrer numériquement nos signaux. Oui. C'est une tâche que assez vite, j'ai pas forcément délégué, mais c'est Ghislain de module informatique qui a pris le relais sur cette tâche-là, puisqu'il va le faire avec son logiciel quand il est en train de coder l'interface et l'affichage des résultats. Oui. Donc c'est lui qui s'en charge. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'on avait d'abord mené une réflexion pour voir si on utilise les filtre numérique ou analogique. C'est ça. Et en fait, au niveau analogique, le problème, c'est que comme on va filtrer à de très très basses fréquences, on aurait des bobines immenses et des condensateurs immenses aussi, ce qui n'est pas envisageable pour les projets. Oui, ok. C'est bon. Aboudraman, je pense que j'étais déjà à ton niveau et tu as me dit quelle est la portée, c'est-à-dire lorsque tu as fait les essais en te déplaçant. La portée, c'était juste à quel niveau partant de ce laboratoire? Ok, à partir du laboratoire ici, on a constaté que jusqu'à dans le couloir, si on va dans le couloir, on a toujours une bonne réception. Je suis allé dans l'autre laboratoire avec l'émetteur, on a toujours une bonne réception. Okay. Et je suis allé à l'extérieur complètement. Okay. En face des toilettes d'âme. Oui. Et puis c'est là-bas, on avait toujours quand même une réception, mais il fallait juste que on soulève un peu le récepteur ici. Oui. Pour l'orienter et puis on avait toujours une bonne réception. Ok. Ouais. Donc ça veut dire que si on essaye de voir, c'est une portée de plus de 20-25 mètres. Oui, mais ça c'est vrai. Mais parce qu'il y a des obstacles. Là, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de sans obstacles, on peut aller au-delà. On devrait aller beaucoup plus loin. Okay. Là, il y en a beaucoup d'obstacles. Là. Il y a les murs, tout ça. Et là, sur l'écran, c'est quoi? C'est l'écran, actuellement, c'est on défile. L'émetteur est ici, l'émetteur et puis le récepteur. Donc voici l'émetteur. C'est l'émetteur ici, oui. Le récepteur qui est là. Oui. Donc ils sont à environ comme quoi, un mètre de distance. Et ça affiché là. Et puis là, ça affiche ici, on voit les valeurs qui sont affichées ici qui défilent. Oui. Puis, donc j'utilise un potentiomètre ici pour si je mets la tension à zéro, là on voit ici, vous voyez là, ici le signal qu'on reçoit c'est le zéro. Oui. Et puis quand je le mets à mi-chemin, on a comme 329. Oui. Si je le mets au maximum, on a environ 675 qui s'affiche ici. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut jouer. Le récepteur fonctionne bien. Puis l'émetteur et puis le récepteur communiquent parfaitement. Puis là, quand j'avais testé en mettant peut-être essayer de mettre des obstacles autour des antennes, comme bloquer les deux antennes pour voir. Oui, comme ça. Ça ne changeait pas grand-chose. C'est seulement quand on bouge que des fois on sent. Donc il faut juste que ça soit bien stable. Ok, ouais. C'est bon. Nous vous remercions et du temps que vous nous avez accordé en nous suivant dans les différents ateliers de montage, de réalisation de notre projet. Nous espérons vous revenir bientôt avec un niveau d'avancement beaucoup plus élaboré. Sur ce, nous vous quittons en espérant nous revoir la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre publication.